Bonjour YouTube, bonjour Melilos, bonjour mes petits gourmands, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je me porte très bien, c'est par la grâce de Dieu. Et quand je dis très bien là, I mean it, c'est par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de la lotion rapide, claire. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements, les partages, les commentaires, ça va droit au cœur. Si c'est pour la première fois que tu vas me regarder, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Alors, comment j'ai connu la lotion? J'ai connu cette lotion, ça fait des années. Avant la guerre de 97 ou après la guerre de 97. Donc, entre ces 2 années, j'ai connu cette lotion par ma tante. J'ai une tante, on se ressemble beaucoup. Et à l'époque, j'étais vraiment très proche d'elle. Et c'est par elle que j'ai connu cette lotion. OK? Et quand elle a utilisé la lotion et ça la faisait du bien, elle a partagé avec moi que ma petite, il y a une lotion appelée Rapide Claire, mais c'est une lotion de ouf, une lotion de boum. Donc, ça fait vraiment très bien à la peau. Ma tante et moi, on a la même carnation. OK? So, j'utilisais la lotion, j'utilisais la lotion. Et la raison pour laquelle j'avais arrêté d'utiliser cette lotion, je veux mettre la photo de la lotion ici et ici là dont je parle. Hein? OK? Rapide, rapide, clair, la bouteille originale. OK? La raison qui a fait que je puisse arrêter cette lotion, c'était la chaleur. OK? La lotion rapide, claire, quand tu l'appliques sur le corps, que ce soit l'hiver, I'm talking about l'hiver, à l'époque là, j'étais pas dans un pays d'hiver, ok? So, que ce soit la saison sèche, que ce soit la saison de pluie, la lotion là, quand tu l'appliques, ça chauffait dans le corps, c'est-à-dire ça te donnait. Tu transpirais au même moment que tu appliquais la lotion. La lotion, là, c'est comme nous, on dit dans notre langue, yaningampach. La lotion, là, c'est-à-dire ça te donne la chaleur, c'est-à-dire tu sens que tu as chaud dans le corps. Et à l'époque, étant, comment on appelle ça, étudiante, en partant à l'école et tout ça, la chaleur. Et des fois, nous, on faisait, on partait à l'école à pied, quand on n'avait pas le transport, tu fais aller à pied, retour à pied et tout ça. Donc, la sueur, là, c'est ça qui a fait que je puisse arrêter d'utiliser cette lotion. Mais c'est une lotion très bonne, ok? Si tu es encore là, en train de chercher quelle lotion utiliser et tout ça, rapide, clair, est une lotion qui est très, très, très bien pour la peau. Ok? Ça lave la peau lentement et doucement, mais sûrement. Ok? Donc, tu l'appliques bien, bien, every day sur ta peau. Au fil du temps que tu vas appliquer, tu vas voir une vraie différence sur ta teinture. Ok? Rapide, clair, à le savon, à le tube, à la lotion et à une crème. Ok? Je veux mettre la photo ici d'une copine à moi qui utilise cette lotion depuis 2017. Ok? Mais elle, pour avoir plus de teinte, elle ajoute la crème Civic Lemon. Ok, c'est ça qu'elle ajoute dans la lotion claire, rapide claire, pour avoir un plus. Ok, mais sinon, si tu es de peau ébène, tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose sur ça, sur la lotion, dans la lotion. Peut-être tu peux mettre son huile. Ou bien tu achètes une autre huile, une huile hydratante qui va juste
polish your skin, ok? Ça va polish your skin. I don't know, polish in French. Débrouillez-vous là-bas. So, c'est une lotion qui est très bien. C'est une lotion que je peux recommander. Si tu es encore là en train de chercher quelle lotion utiliser, je peux te recommander cette lotion. C'est une lotion qui est vraiment très bien sur la peau. Ok? Et arrivé ici, je l'avais utilisé, je crois. Non, je ne l'avais pas utilisé, mais j'en avais parlé avec ma soeur. Et je comptais racheter cette lotion au moment où j'étais tombée sur les trucs de Kojic et tout ça. Et puis, j'avais oublié ça. Ok, mais sinon, c'est une lotion qui est très bien pour la peau. Ok, alors aujourd'hui, nous avons un nouveau modèle de Rapide Clair. Ok, Rapide Clair. Oh, au fait, j'ai oublié de dire que Rapide Clair est une lotion faite à base des extraits des plantes. Ok, qui exfolie, qui rajeunit la peau. Ok, donc pour les peaux ébènes, tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose dedans. Mais pour les personnes qui veulent les teintes là, la photo de ma copine, ma meilleure copine que je veux mettre, c'est une copine de longue date. On a fréquenté ensemble. Ok, elle ajoute la crème Civic. Ok, il n'y a rien dedans, c'est seulement le carton que j'ai. La crème Civic Lemon, c'est ça qu'elle ajoute dans la lotion Rapide Clair pour avoir la teinte qu'elle a. Je vais mettre sa photo là, vous allez voir. Ok, so, aujourd'hui, nous avons Rapide Clair, nouveau Rapide, c'est toujours Rapide Clair, mais aux carottes. Voilà, nous avons Rapide Clair aux carottes. Ok, une très bonne lotion, très crémeuse. Ok, c'est une lotion qui a 3 en 1. Ok, c'est une lotion qui a 3 en 1. Protège, hydrate et éclaircit. Ok, so, cette lotion a une composition des huiles. Nous avons l'huile de carotte, l'huile de curcuma. Et les extraits de moringa. Je sais pas si vous avez déjà entendu du moringa. Si tu ne connais pas encore le moringa, va sur Google, va Google les bienfaits de moringa. Il y a le thé moringa en le buvant, il y a les savons et il y a les lotions hydratantes juste fait à base de moringa. J'ai déjà vu ça. Et cette compagnie moringa là, Ils ont aussi des lotions qu'ils vendent. Ok, so ici là j'ai la crème, comme j'ai dit, une crème très très crémeuse. Ça sent très bon, vraiment très bon. L'odeur n'est pas, il n'y a pas l'odeur chimique, tu ne sens pas l'odeur chimique et tout ça comme les autres lotions. Ok, c'est une lotion qui est c'est une crème qui est vraiment très doux. J'ai utilisé ça sur mes pieds, ok. Comme vous le savez, des fois j'ai un peu peur d'utiliser de nouveaux produits sur tout mon corps. Juste une caisse, je fasse une réaction qui est désagréable, ok. So, j'ai utilisé sur mes pieds, j'ai vraiment aimé. Ça hydrate, ok. Alors, si tu es cette personne qui est toujours à la recherche de la lotion, voici une lotion qui pourra t'aider pour clarifier ton teint. Rapide Clair aux carottes, crème clarifiante et intensive. Ok, ça clarifie intensivement. Ok, c'est une crème à appliquer matin et soir. Ok, et si tu sors, mets la crème solaire ou soit tu l'appliques seulement le soir. Comme dans la règle de l'éclaircissement, c'est d'appliquer les crèmes éclaircissantes le soir. Et quand tu le mets le matin, sois sûr de mettre la crème solaire pour te protéger. Ok? Et si c'est dans le corps, tu peux le mettre dans le corps et puis bien t'habiller et puis aller faire les courses avec les enfants, aller au parc et tout ça. Mais juste
protège-toi parce qu'on ne sait jamais. Alors, normalement, quand j'utilise, comme moi personnellement, j'utilise une lotion qui contient de l'hydroquinone, ça me fait réaction tout de suite. Mais je l'ai utilisé, ça fait plus d'une semaine, je n'ai aucune réaction sur mes pieds, aucun problème. J'ai utilisé sur mes mains, j'ai aucun problème avec cette crème. Alors, c'est une crème que je veux. Que je vais dire que c'est une très 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 bonne lotion, ok? Et en même temps, j'aimerais profiter pour donner une réponse à une de mes mamans qui avait posé la question de savoir c'est quoi une bonne lotion. Une bonne lotion, c'est celle-là qui ne cause pas de problèmes sur ta peau à toi. C'est ça une bonne lotion, ok? Parce que là où nous sommes là. Chacun de nous a son corps, a ses problèmes qu'elle a. Okay? Chaque personne a ses problèmes. Chaque personne a ses génétiques qui sont uniques. La personne que tu peux avoir identique, hygiénique, doit être la personne alignée de ton père ou de ta mère. Okay? Mais sinon, chacun de nous est unique. Okay? Chacun de nous réagit à un produit au sens unique. Chacun de nous est unique, ok? Et c'est ça qui fait la beauté du monde, ok? Parce que chaque personne est unique. C'est ça qui fait la beauté du monde. Vous comprenez? Ok. So, la bonne lotion, c'est celle-là qui ne te fera pas du mal. À toi. Pas à moi, mais à toi. Donc, c'est toi qui a la capacité de reconnaître cette lotion est bien pour moi. Ok? Voilà la réponse. Voilà comment savoir ça c'est une bonne lotion. Toutes les youtubeuses peuvent venir vous donner toutes les théories du monde que cette lotion-là, ça m'a donné 5 teintes. Que cette lotion-là, ça ne fait pas ci, ça ne fait pas ça, ça ne fait pas ça, ça ne fait pas ça. Mais il peut arriver, toi et moi, qu'en l'appliquant, on peut avoir les vergetures, on peut avoir les démangeaisons, on peut avoir les taches blanches. On peut avoir tout ce que vous connaissez là. On peut avoir des réactions, des coquaras et tout ça. Ça dit tout ce que vous connaissez, toutes les réactions que vous connaissez qui peuvent apparaître quand une lotion n'est pas bonne. Donc, toi et moi, il y a possibilité qu'on puisse avoir ce problème. OK? Donc, une bonne lotion, c'est celle-là qui est bien sur ta peau. C'est celle-là qui ne te cause aucun problème. OK? Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé. Ne vous paniquez pas quand on vient vous montrer des lotions, qu'on vient vous parler d'une lotion. Parce que si tu as déjà une lotion qui te tient, continue juste. Tu peux, si la personne a donné les théories, comment les théories, comment utiliser la lotion et tout ça, tu peux juste prendre ces tactiques et puis utiliser avec ta lotion. Ça va te donner les mêmes résultats. C'est pas la peine de se paniquer et à la fin de la journée, tu te retrouves avec une parfumerie dans ta chambre, ce qui n'est pas bien. Ok? Alors ici, on fait attention, on achète ce qu'on a besoin. Si toi, tu as déjà la lotion, c'est pas la peine que tu aies acheté Rapid Éclair pour utiliser. Continue avec cette lotion-là. Ok? Alors, moi, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve sur une autre vidéo. Gros bisous à vous et passez une très bonne semaine. Bye.